Encore une fois de plus, soyez les bienvenus à votre chère émission, émission préférée, Afrique et développement. Aujourd'hui, nous allons débattre un sujet très important qui concerne le développement en Afrique. Et le thème que nous vous proposons aujourd'hui, c'est aide militaire étrangère, un salut pour les pauvres en Afrique. C'est une question qu'on se pose et nous allons débattre sur ce sujet. Mais avant d'en arriver là, je voudrais vous indiquer d'où nous sommes venus avec ce thème. L'idée n'est pas à moi. L'idée a été donnée par un professeur d'université, un monsieur très bien connu, Paul Collier. Paul Collier, comme je le disais tout à l'heure, c'est un professeur à Oxford University, en Grande-Bretagne. Et ce monsieur a publié beaucoup de travaux scientifiques qui lui ont valu beaucoup de prix. Il a aussi beaucoup écrit dans des magazines et journaux ici aux États-Unis, comme le New York Times. Il a aussi écrit pour le Wall Street Journal. Il a écrit dans d'autres magazines de renom ici aux États-Unis. Donc, c'est un monsieur qui est très bien connu. Il a même été un travailleur ou un employé à la Banque mondiale, où il a dirigé le département, où il a travaillé dans le département de recherche. Pas seulement cela, il est conseiller aussi à la FMI, Région Afrique, il est conseiller aussi à la Banque mondiale. Donc, c'est un monsieur qui est très bien connu, un monsieur de renom. Et c'est lui qui a donné cette proposition de faire une aide militaire pour aider les pays sous-développés de pouvoir s'engager sur la voie du développement. Et nous allons essayer de décortiquer tous ces problèmes-là avec mon invité habituel, Monsieur Alassane. Alassane, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus encore dans cette Merci. émission où nous allons Merci. discuter de ces problèmes. Le problème est brûlant. Je disais que Monsieur Paul Collier, il a beaucoup publié, il a écrit même des livres. Et un de ces livres dans lesquels nous avons tiré notre thème, c'est celui-ci, The Bottom Millions, Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It. C'est là où nous avons tiré. Mais à part ce livre ici, il a bien écrit d'autres livres aussi, tels que Wars, Guns and Votes, Democracy in Dangerous Places. Il a aussi écrit The Plundered Planet, How to Reconcile Prosperity with Nature. Et enfin, il a écrit un autre livre sous le titre de The Exodus, How Migration is changing our world. Donc, c'est un monsieur très bien connu. Et dans le livre que nous avons sous nos yeux, Paul Collier a analysé la situation des sous-développements en Afrique. Et il a trouvé que il y a à peu près 50 États à travers le monde, pas seulement en Afrique, à travers le monde, qui ne s'engage pas progressivement dans la voie du développement. Et une des raisons, c'est que ces pays-là sont attrapés dans des pièges qu'il a appelés traps, dans des pièges. Et ces pièges sont tellement forts que ces pays ne peuvent pas se dégager d'eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils soient aidés pour pouvoir se débarrasser de cela. Il a parlé des guerres civiles, il a parlé de la mégestion, il a parlé de mauvaise gouvernance, et ainsi de suite. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièges. Et selon lui, pour que ces pays arrivent à se dégager de ces pièges, il faut une aide militaire. Et nous allons expliquer dans quel contexte il a parlé de cette aide militaire. Le contexte est celui-ci. Il a trouvé que même dans ces pays qui ne sont pas engagés sur la voie de développement ou qui reculent au lieu d'avancer,
il y a quand même une lutte entre les réformateurs et les leaders qui sont corrompus. Et qui est en train de gagner cette guerre? Ceux-là qui gagnent la guerre, ce sont les leaders corrompus. Les réformateurs ne savent pas quoi faire. Donc, pour les aider à réformer les choses, pour aider ces pays à avoir la stabilité, il faut une aide militaire étrangère pour garder les choses et remettre ces pays sur la voie du développement. Voilà dans quel contexte Paul Kolya va parler d'une intervention militaire. Et c'est à partir de cela que nous allons discuter les problèmes. Et ici, comme je vous ai dit, j'ai mon invité, Monsieur Alassane. Et j'ai une première question à Monsieur Alassane. Monsieur Alassane, comment vous accueillez cette idée d'une aide militaire pour aider les pays à pouvoir se développer, les pays qui n'arrivent pas à s'engager sur la voie de développement, à se développer? Oh, merci de la question. Je pense qu'il faut revoir le contexte dans lequel Paul Kolya a mentionné le cas d'intervention militaire dans certains pays. Bon, on voit qu'un peu partout à travers le monde, il y a beaucoup de pays où les dictateurs ont pris tout un peuple en otage. Bon, non seulement ils font pas quelque chose de bon pour favoriser le progrès économique et social des pays. Et aussi, bon, ils ne veulent pas permettre à d'autres personnes de prendre la relève. Bon, ils considèrent le pouvoir comme une entreprise familiale. Bon, certains même vont aller jusqu'à dire que c'est un don de Dieu. Dieu leur a donné ce pouvoir. Donc, Donc ce pouvoir, ce pays, voilà, comme l'air bien privé. voilà. Donc, en fait, même pas. Même dans une monarchie, on ne gère pas certains pays comme ça, comme certains dictateurs le font. Donc, moi, je pense que pour un président qui prend tout un peuple en otage, qui fait rien de bon, qui maintient son peuple dans la misère, alors, et si des élections ne sont pas organisées, soit les pays donateurs, les bailleurs de fonds, soit ils coupent carrément l'aide à ce pays. Ou bien si des élections se passent et que les élections sont truquées, et moi je pense que en ce moment l'intervention militaire est vraiment chose à la bienvenue pour mettre hors d'état de nuire ces présidents et puis maintenant bon prendre des mesures pour que le pays puisse avancer dans une sorte de démocratie où le pouvoir est renouvelé et que de nouvelles idées enfin de nouvelles idées viennent et proposer, contribuer au développement du pays. Donc, moi, je veux dire que bon, ça dépend des contextes dans lesquels les pays se trouvent. Donc, mais on aura quand même l'occasion d'en parler un peu plus. Merci. Merci pour cette réponse. Mais les autres ne peuvent pas voir d'un bon œil, Oui. n'est-ce pas, cette intervention militaire. Et surtout ceux-là qui sont au pouvoir. Oui. Parce que pour eux, c'est comme si cette aide militaire venait, comment dire ici, venait perturber ou violer, c'est ça le mot que je cherchais, venait violer les principes de souveraineté nationale. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cela? Est-ce que c'est violer la souveraineté ou ce n'est pas violer la souveraineté? Quelle serait votre idée à propos de Non, moi cela? je pense qu'il faut faire, il faut, il y a deux cas de mesure. Bon, il y a la souveraineté et puis il y a le bien-être du peuple, de la population en question. Bon, il y a un choix à faire. Bon, si vous voyez que le peuple est maintenu dans la misère, il n'y a pas de démocratie, le pouvoir en fait ne profite qu'à un cercle. Bon, en ce moment, la souveraineté n'a pas sa raison d'être. Il faut, La violer enfin, ah oui, d'une certaine ouais, manière, c'est quoi. un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Voilà, c'est un mal nécessaire pour libérer et quand même le peuple de ces individus-là qui ont pris le peuple en otage. Donc, il y a vraiment des interventions militaires salvatrices et qu'il faut vraiment louer.
Bon, si par exemple, je peux prendre l'exemple de certains pays qui changent des constitutions. C'est Bon, ça. le président, il voit qu'il est à terme, il ne peut plus se représenter. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit voilà, bon, il faut qu'on essaie De changer, de mettre en ré. place une nouvelle constitution, beaucoup plus dynamique. Vous voyez, il jette des termes juste pour embrouiller les gens. Alors que non, le changement de constitution, eux, ça leur profite. Donc, bon, c'est ce qu'ils font pour rester au pouvoir. Alors que bon, ils ne rendent même pas service à leur peuple. Donc, il commence à faire une constitution, pardon, taillée sur Sur mesure, mesure, voilà, hein? tout à fait, oui. Et ça n'avantage personne. Voilà. Donc, moi, je pense que dans ce cas, bon, la souveraineté, chose à l'intervention militaire prime sur la C'est la souveraineté. souveraineté. Oui. Et puis, il y a aussi une autre question. Quand on parle de souveraineté, souvent, les dirigeants africains, quand ils veulent chercher le pouvoir, ils viennent aux États-Unis, ils viennent auprès des grandes puissances pour solliciter le pouvoir. Ils ne cherchent pas cette souveraineté à partir du peuple, qui est le souverain primaire, n'est-ce Oui, pas? oui. Maintenant, quand ceux-là qui leur donnent le pouvoir commencent à leur donner des injonctions, ils parlent de souveraineté nationale. Alors que quand ils cherchaient le pouvoir, ils ne parlaient pas de souveraineté nationale. Tu vois, c'est cette contradiction qui existe, hein, entre le comportement, hein, dans le comportement de nos chefs. Oui, bon, enfin, il y a une contradiction parce que quand on regarde même à beaucoup de pays, bon, l'Afrique en est un exemple, là, beaucoup de pays africains en font exemple. Bon, quand on voit certains pays, ils peuvent même pas financer leurs propres économies. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers les pays donateurs, les pays occidentaux, bon, pour demander une aide financière. Bon, alors que très souvent, ces aides financières-là viennent avec une certaine condition, comme le respect des droits de l'homme, la démocratie, etc., etc. Alors, quand quand ces pays-là commencent à abuser, ou bien ces présidents qui sont allés vers les Occidentaux, pour les fonds, quand ils commencent à abuser leur peuple, et puis, bon, les Occidentaux disent, voilà, bon. Compte tenu de ces abus des droits de l'homme, bon, nous allons revoir les conditions de notre aide. Bon, ils commencent à se plaindre d'interférences dans les affaires intérieures. Bon, il y a une contradiction. Donc, moi, je pense que quand on recherche l'aide, bon, il faut quand même respecter. Il y a certaines conditions quand même qu'il faut respecter en matière de démocratie et droits de l'homme. C'est ça. Oui. Donc, en gros, c'est dire que cette intervention militaire étrangère est nécessaire dans certains cas. Dans certains cas. Et ça n'arrive pas à violer la souveraineté nationale d'un État. Ouais, tout à Et fait, tout à fait. surtout que si le dictateur, Oui. hein, de cet État a pris son peuple en otage, Oui. et un peuple qui cherche à se libérer, Oui. il a besoin d'une intervention militaire. Donc, nous Oui. pouvons placer cette intervention militaire dans la catégorie des interventions humanitaires, n'est-ce pas? Ah Oui, oui, c'est tout à fait humanitaire. tout à fait, oui, parce que bon, on parle dans ce cas, on parle d'assister des gens, assistance de personnes en danger. Tout à fait. Assistance de personnes en danger. Ouais. Oui, moi je crois que oui, c'est parti, c'est une bonne idée, mais est-ce que cette idée a déjà fait preuve quelque part où on a eu, parce que il y a eu des pays où cette intervention militaire a eu lieu. Est-ce que cette intervention militaire a apporté des bons fruits? Bon, ça dépend, bon, c'est comme on le dit, ça dépend des contextes dans lesquels l'intervention en fait s'est Et peut-être déroulée. pour être plus précis, parlons de la Somalie par exemple, Oui. où il y a eu une intervention militaire. Oui. Oui, est-ce que ça a porté des fruits? Bon, l'intervention n'a pas vraiment porté de fruits, comme bon, le fait aussi de quitter n'a pas non plus porté de fruits. Bon, je pense que ça a été. Vers les années 91-92, où l'Amérique a intervenu en Somalie ça a été un faux calcul. Bon, ils n'ont pas vraiment pris la mesure
la situation, ils n'ont pas vraiment vu, pris vraiment des mesures très nécessaires. Bon, avant d'y intervenir, ça a été une intervention brusque. Et bon, et finalement, ça a été une catastrophe. Mais en fait, ça ne devait même pas empêcher, leur empêcher, les empêcher du moins de ne pas chercher à intervenir. On devait chercher une autre forme d'intervention, mais ne serait-ce que à partir des États voisins qui connaissent un peu mieux le milieu. Bon, on pouvait constituer une armée à partir de là et puis bon, essayer de voir comment on pouvait stopper cette guerre civile. Bon, mais ça n'a pas été fait. Donc, bon, ça a été une erreur, mais certes, une erreur qu'on pouvait corriger. Ça est une erreur qu'on pourrait corriger, peut-être en employant l'armée des pays voisins, Oui. hein, mais c'est toujours une intervention étrangère, Oui. donc qui est nécessaire Oui. dans notre... Ok, passons à une autre question. Je me souviens que dans l'émission passée, nous avons surtout insisté sur le manque d'une volonté politique de nos dirigeants. Et nous avons dit que il y a des causes qui motivent cette manque de volonté politique. Est-ce que vous avez quelques-unes de ces causes? Bon, en fait, je me rappelle bien que dans notre émission passée, on a parlé de l'aide au développement. Bon, on a vu que cette aide vraiment ne profitait pas du tout enfin, une grande partie, je vais dire, de cette aide ne profitait pas à nos populations. Et que, bon, enfin, cette aide était vraiment détournée et rentrait dans les poches même des dirigeants. Bon, donc, on voyait que c'est un profit à eux. Et pourquoi bon, vraiment chercher à changer cet état des faits bon, si on sait qu'on en profite et que personne ne peut vous poursuivre. Bon, donc, bon, c'est d'où venait cette manque de volonté politique de la part de nos dirigeants. Donc, c'est question d'intérêt personnel. Oh, tout à fait, oui. Chacun est là pour protéger son intérêt personnel. Et cela fait souffrir toute une population d'un pays, de tout un pays. Bon, en fait, bon, il faut à ce niveau aussi voir la question de conscience, la conscience humaine, conscience morale, bon, que les gars pouvaient avoir. Bon, mais bon, on se rend compte que vraiment, bon, leur boulimie pour l'argent, leur recherche, le gain effréné de la richesse personnelle avait même pris pion sur la conscience morale qu'ils devaient avoir pour la population en matière sur la souffrance de la population. Donc, en fait, il y a pas de conscience morale. Donc, c'est la recherche effrénée du gain qui fait que bon, les gars ignorent facilement la souffrance de la population. Revenons un peu à notre idée du départ, intervention militaire. Nous avons dit que Paul Collier a remarqué que dans les pays qui n'avancent pas dans le développement, il y a quand même une lutte entre les réformateurs et les dictateurs, ou ceux-là qui veulent garder les statu quo. Bon, vous voulez parler des pays qui n'avancent pas parce qu'ils sont sous l'emprise d'une dictature. Exactement. Oui. Ils sont sous l'emprise d'une dictature. Oui. Bon, je sais que vous avez accepté que l'intervention militaire, quelquefois, est nécessaire Oui. pour sauver, Oui. libérer Oui. ces peuples. Oui. Vous êtes pour cette idée-là. Ouais, je suis pour cette idée, mais je voulais quand même ajouter quelque chose. OK. Bon, parce que, bon, on parle de dictature. Il y a des dictatures, il y a un système, il y a des pays où, bon, on parle de démocratie, où les élections se déroulent. Bon, à partir d'un certain nombre d'années, peut-être 5 ans, 7 ans, bon, ça dépend de ce que la constitution des pays a mandaté. Bon, il y a des pays où, à chaque fois, bon, quand le président sait qu'il a deux mandats, il ne peut plus se représenter, il change la constitution pour se représenter. Bon, même s'il n'a pas eu, et les élections peuvent être truquées en sa faveur. Bon, si le peuple proteste très souvent, ils font l'objet d'une violence, d'une répression. Mais moi, je pense que dans des cas de figure comme ça,
l'intervention militaire étrangère est la bienvenue pour rétablir l'ordre. Oui, avant de continuer avec ma question, il y a aussi une autre idée qui m'arrive. Est-ce que toutes les dictatures sont mauvaises? Parce que on nous parle de Singapour, par exemple, Oui. où il n'y a pas de démocratie. Il paraît que c'est la dictature. Oui. Mais le pays avance très, très bien. Oui. Est-ce qu'on peut dire que toutes les dictatures sont mauvaises? Bon, en fait, c'est ce que je disais. Je disais que, bon, il y a des présidents qui ont pris leur pays en otage. Bon, non seulement ils ne rendent pas service à leur peuple sur le plan économique. Bon, ça, c'est un. Et deuxièmement, bon, ils ne veulent pas céder le pouvoir à quelqu'un d'autre. Bon, est-ce que vous voyez? Bon, dans des cas pareils, une intervention militaire pour rétablir l'ordre est nécessaire. Bon, il y a des dictateurs qui ont une certaine vision. Voilà, ils viennent avec une vision de développement économique et social. Bon, quelque part, il y a des abus de droits de l'homme. Mais compte tenu du fait que le pays Avance, avance, bon, on peut tolérer. ça a tendance à quand même faire oublier un peu le Négatif. côté droit de l'homme. Bon, est-ce que vous voyez? Parce que bon, dans des cas de figure, une grande majorité de la population arrive à avoir le minimum de besoins nécessaires, Pour comme survivre. voilà, se nourrir, loger, s'habiller, etc. Ça, c'est le minimum quand même qu'ils peuvent offrir à leur population. Bon, ça, c'est des trucs quand même il faut favoriser. Mais seulement, bon, à un certain moment, il faut quand même rétablir la démocratie. Bon, si quand même on a pu mettre en place un certain nombre d'éléments nécessaires où des gens peuvent venir et puis prendre la relève, bon, ça, il faut ouvrir. Il faut ouvrir le pays à des voies démocratiques. Bon, même si bon, vous êtes dictateur, vous faites bien à votre peuple, à un certain moment, il faut penser à une sorte de démocratie. Donc, la Donc, dictature ne doit pas une perdurer. erreur perdurée. Il ne faut pas s'éterniser au pouvoir. Il faut Exact. préparer la La relève, relève. voilà, tout à fait. OK. Là, c'est très bien. Bien dit. Mais je voudrais un peu poursuivre ma question. Je disais tout à l'heure que Paul Collier, quand il analysait les causes du sous-développement dans certains pays, il a trouvé que dans ces pays même, il y a une lutte entre les réformateurs ou les progressistes et les gens qui gardent les statu quo, ou les corrompus, les leaders qui sont corrompus. Et dans cette lutte, dans cette guerre, ceux-là qui gagnent le terrain, ce sont les corrompus, les leaders, parce qu'ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Ils Maintenant, ont le pouvoir économique, et le pouvoir tout le pouvoir politique et militaire, militaire, et voilà. pour cette raison, ils n'ont qu'à gagner la guerre. Maintenant, j'arrive à ma question. Je sais que vous-même, vous avez opté pour une intervention militaire dans ces cas, mais les autres ne peuvent pas peut-être accepter votre option. Ils vont avancer d'autres arguments en disant non, vous savez, les interventions militaires, c'est pas bon, ça viole la souveraineté, comme on l'a dit, et ainsi de suite. Mais ma question à toi est celle-ci. Dans le cas où on refusait cette intervention militaire, que feraient les réformateurs? Je demande tout simplement votre opinion. Que feraient les réformateurs dans ces cas-là? Je sais que vous êtes pour l'intervention militaire, mais dans le cas où cette solution était jugée mauvaise, oui, que feraient les réformateurs? Bon, moi je pense que bon, et déjà même il faut voir que bon, dans ces pays-là, bon, en plus de l'intervention militaire en question, bon, on peut aussi essayer une autre possibilité. Bon, les pays donateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si vraiment bon, parce que l'intervention militaire dans certains moments, ça peut aussi, il faut vraiment faire une bonne étude avant d'y aller. Ah, c'est pourquoi lui, Paul Collier, a parlé de bien penser, bien raisonner. Voilà, bien penser, bien raisonner avant d'y aller. C'est Bon, faut ça. pas que ça soit de façon brusque et puis créer beaucoup plus de problèmes encore. Bon, ça, bon, à ce niveau, c'est pas intéressant. Bon, en fait, comme autre alternative, bon, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup même de pays, la plupart des budgets même qui entretiennent les militaires viennent de l'aide étrangère. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de revoir, mettre une certaine sanction, poser une certaine sanction pour voir, pour essayer d'étouffer en fait le régime en place sur le plan financier. C'est ça. Bon, mais à ce niveau aussi, il y a quelque peu de choses, Des de conséquences. conséquences. Il ne faut pas que ces sanctions-là touchent la population dont on essaie de Ah, sauver. c'est pourquoi ces derniers temps, on parle des sanctions Ciblées, ciblées. voilà, de Hein? sanctions ciblées. On cible donc Voilà, les dirigeants. voilà, il faut que ce soit, bon, les preneurs de mesures, ceux qui prennent les décisions, bon, il faut que, bon, on essaie quand même de prendre des sanctions contre ces individus-là, bon, essayer de voir leur effet. Et bon, si ça n'a pas, on ne voit pas l'effet, est-ce qu'on... Tout en essayant d'étudier la formule militaire aussi, si nécessaire, bon, avant d'y aller. Avant d'y aller. OK. Ça, c'est très bien, mon frère, c'est très bien. Les sanctions ciblées ces derniers temps, on parle des refus des visas, Oui. hein, on gèle des Des avoirs, avoirs, et oui. ainsi de suite. Oui. Et tu penses que ces mesures sont très efficaces pour fléchir la Oui. volonté des leaders? Bon, en fait, ça contribue un peu, mais bon, de façon lente. Et il faut que, bon, on essaie à chaque fois à chaque étape, à un certain moment, on essaie de voir quel est l'effet de ces mesures, quel est l'effet que ces mesures-là ont produites, ont produit du moins. Donc, il faut essayer de voir après un certain nombre de temps, quelques mois, comment bon, chose à, ceux qui sont frappés par ces différentes sanctions réagissent et quelle a été leur influence par rapport à l'amélioration des conditions de la population. Et il faut essayer de voir tout ça. Si, en fait, il n'y a pas d'effet escompté, bon, on peut passer à une étape supérieure Ah, et qui pourrait être l'intervention militaire. donc pour toi, Oui. il faut chaque fois évaluer. Quand il Voilà. y a des mesures qui tombent Oui. sur ces dirigeants, Oui. après un temps, il faut Il évaluer, faut voir évaluer. si c'est efficace ou pas Oui. efficace. Oui. Si ce n'est pas efficace ou si ces mesures sont contournées, Oui. il faut établir d'autres mesures Oui. qui seront beaucoup plus efficaces. Oui. OK. Donc, c'est cela. Mais disons ceci, si vous étiez par exemple à la place de ces décideurs qui décident des sanctions ciblées, Oui. quelles sanctions auriez-vous suggéré pour que vraiment ça travaille, pour que ça soit efficace, ça fléchisse la volonté même de ces dirigeants? Il y a une idée là-dessus ou... Bon, en fait, ce que je pourrais Pardon. proposer, grosso modo, c'est d'abord, le refus de visa, à un certain nombre de dignitaires, bon, qui puissent les empêcher de voyager. Bon, ça, Est-ce que tu crois qu'ils ont du mal à rester dans leur pays sans voyager? oh non, mais enfin, c'est pas la seule mesure. Bon, au niveau du gel des avoirs, bon, ça peut être, on peut essayer de voir s'ils ont beaucoup de, s'ils ont placé des fonds, des capitaux à l'étranger. Bon, et voir même si les pays où les capitaux sont placés seront associés à ces prises de décision pour en fait, favoriser le gel de ses avoirs. Bon, ça c'est un. Et deuxièmement, bon, et troisièmement, on peut même essayer de choses à favoriser même l'exclusion de ces pays-là dans certaines organisations dont ils font partie. Des pays où on place l'argent ou Non, le pays qui place l'argent dans d'autres pays. Non, enfin, je veux dire que le pays où le dictateur s'y trouve, bon, il a quand même des fonds à l'étranger qu'il a placés. C'est ça. Voilà. Bon, s'il se trouve qu'il a placé des fonds à l'étranger, bon, on peut essayer de voir dans quelle mesure les pays qui ont ces fonds-là, bon, s'ils peuvent être associés à la prise de décision de gel des avoirs, un truc comme ça. Bon, et puis, bon, essayer de voir quel pourrait être l'effet, quoi.
Bon, c'est ce que je vois. Et troisièmement, les pays où les dictateurs s'y trouvent, ils font partie de certaines organisations sous-régionales. Bon, on peut essayer aussi de voir dans quelle mesure, si on peut, comment dirais-je, suspendre leur participation à ces organisations-là. Mais tout ça nécessite une coopération. Et comme vous le voyez, c'est pas aussi facile De de coordonner. fédérer des gens autour d'une décision. Bon, c'est tout comme l'intervention militaire. Parce que, bon, un pays, à moins que ce ne soit la première puissance au monde comme l'Amérique qui va prendre toute seule la décision d'y aller, bon, ce qui n'est pas aussi évident. Bon, il faut quand même un effort collectif Commun, collectif. des grandes puissances à certains moments pour, s'ils veulent bien y. Sauver le peuple en question. Bon, mais bon, là où le problème peut se poser, est-ce que si ces pays-là, dits pays puissants, ont des intérêts dans le pays où le dictateur s'y trouve, bon, est-ce qu'ils vont le faire? Ils vont accepter une intervention militaire. Des fois, c'est la question aussi qu'il faut essayer de soulever de temps à autre. C'est la question qu'il faut essayer de soulever de temps à autre. Mais dans votre intervention, vous avez soulevé un problème que je trouve assez important, ou une mesure que je n'ai jamais entendu parler, l'exclusion dans des organisations régionales. Hein? Ça, c'est quelque chose de neuf qu'il faut peut-être penser plus. Et comme vous avez dit, il faut toujours qu'il y ait cette collaboration entre les gens, parce que il n'est pas possible, mais il est possible, mais il n'est pas toujours facile hein, de fédérer les gens autour d'un idéal donné, surtout quand il s'agit de sanctions contre les dirigeants des États souverains, comme nous le disons. Ah, là, c'est très, très important. Il faut que les gens commencent à penser à toutes ces mesures, pas seulement des mesures au niveau international, mais même au niveau local, au niveau régional, hein, pour essayer de contraindre hein, ces dirigeants afin qu'ils changent leur position vis-à-vis de ce qu'ils font, vis-à-vis de leur mauvaise gouvernance. Très bien, très bien. Maintenant, nous tendons vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez, à part ça, une opinion que vous pouvez émettre? Hein, à propos de tout ce que nous venons de discuter ici. Bon, juste pour me résumer, je dirais que l'intervention militaire dépend des contextes. Bon, quand vous voyez qu'il y a un président qui prend tout son peuple en otage, bon, des élections sont organisées, bâclées, et puis bon, et tout est organisé en faveur de ce président. Et moi, je pense que l'intervention militaire est la bienvenue si elle peut se produire dans, avec chose comment on appelle ça, avec beaucoup plus Des tags. de tact, voilà, c'est le mot en fait. Bon, parce qu'il ne faut pas que les gens s'y aventurent et créent beaucoup plus de désordre. Donc, bon, moi je pense que l'intervention militaire dans des cas précis où les présidents prennent leur peuple en otage, organisent des élections en leur faveur, changent des constitutions, je pense que l'intervention militaire doit être la bienvenue. Vous parlez de désordre. On en a vu, par exemple, les troupes des Nations Unies, ou même d'autres troupes d'autres pays souverains, quand ils sont envoyés dans un pays, aussi, ils violent les femmes, les filles, hein, ils font des choses pareilles. Donc, c'est pourquoi nous disons que cette intervention a des conséquences néfastes aussi, mais quand même, elle est nécessaire en cas d'une prise en otage de tout un peuple. S'il faut libérer le peuple, je crois que l'intervention est bienvenue. Ouais, je vais ajouter que bon, dans le cas des abus sexuels et autres formes d'abus que l'on rencontre dans les missions des Nations Unies,
c'est à ces organisations de prendre des mesures répressives. Et tous ceux qui seront coupables de tels actes doivent vraiment, il doit avoir un tribunal spécial pour les juger puis les condamner. Et la sanction doit être vraiment à la hauteur du forfait. Et je pense que si de telles mesures, de telles sanctions se prenaient, je pense que tous Les ces, militaires peuvent être disciplinés. je pense que tous ceux qui y vont pour les missions de maintien de paix ou autres faits pourront bien se comporter. Est-ce que ces militaires-là, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent dans des missions pareilles Ah, ou... tout à fait, oui, parce que c'est le risque est grand, bon, donc ça quand même ça fait que bon la paye est plus ou moins à la hauteur du risque auquel les gens font face, les militaires en question font face. Les militaires gagnent beaucoup d'argent et leur pays d'origine aussi, ils gagnent l'argent. Bon, en fait, bon, je ne sais pas tout à fait comment les trucs, bon, la paye, C'est le fait. traitement salarial se passe. Bon, mais je sais que de façon générale, bon, tous ceux qui y vont, bon, ils ont plus que ce qu'ils gagnent dans leur pays d'origine. Bon, leur salaire, je veux dire, salaire qu'ils percevaient dans leur pays avant d'y aller. Parce qu'ils partent ils font face à un risque élevé. C'est tout ce que je peux ajouter. Merci, merci pour cette intervention. Je crois que notre émission touche à sa fin, mais il faut maintenant nous résumer. Au départ, nous avons posé une question. L'aide militaire étrangère est-elle un salut pour les pauvres des pays africains? Et c'est sur cette question-là qu'on a émis des opinions et on a même parlé des solutions qui ont été proposées par certains éminents professeurs, par exemple. Le professeur Paul Collier a proposé une intervention militaire. Et nous avons dit que cette intervention militaire, si elle est bien pensée, bien raisonnée, elle est toujours la bienvenue pour libérer un peuple qui est pris en otage par un dictateur. Parce que ce que nous remarquons est que quand cette intervention est là, il peut y avoir quand même une stabilité, il peut y avoir la paix, les élections peuvent se passer sous l'œil des observateurs internationaux et que tout peut aller dans bon sens, dans un bon sens. Alors, pour cette raison, cette aide est bienvenue, mais elle doit être surveillée, on doit être vraiment très critique, il faut que ça soit bien pensé et bien raisonné, comme l'a dit l'auteur lui-même. Donc, chers auditeurs, voilà la conclusion à laquelle nous sommes arrivés à travers ce thème d'aujourd'hui. Si vous avez des opinions contraires, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire et nous allons vous répondre ou on peut continuer encore ces débats. Donc, portez-vous bien et à bientôt. Merci.